I am a photographer, and I took this photo. Merde, putain de chier. That's it, thank you. Come on. Hello les amis. Salut. Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour tester le 400mm DO, première version que nous a gentiment prêté Camara Nantes. Ouais, Camara nous a prêté du coup le 400mm pour quelques jours. On a pu le tester sur deux terrains différents. D'abord le hand, où c'était pas son terrain de prédilection. Et puis ensuite, un terrain plus de prédilection, c'était de l'animalier. Mais on n'a pas vraiment trouvé, parce qu'on n'est pas des experts de l'animalier. Mais on a quand même pu se faire une bonne idée de à quoi servait cet objectif. Et on vous dit ça tout de suite. Et donc on se retrouve au bureau et tu vas pouvoir nous dire ce que t'en as pensé de cet objectif. Ouais, et avant de parler de ce que j'en ai pensé, on va faire un rapide retour dans le passé. Qu'est-ce que c'est cet objectif, à quoi il servait et pourquoi on le teste aujourd'hui? Du coup, Canon en 87 se pose la question de mettre de l'autofocus dans ses optiques, et plutôt que de faire comme Nikon et d'adapter sa monture, il préfère repartir d'une monture toute neuve, la monture EF, avec du coup un nouveau type d'appareil photo, la gamme EOS. Canon EOS. No other camera can autofocus so fast. Et pendant 30 ans, en fait, ça a été des évolutions d'optique. Arrive en 2018 la question de l'hybride. Donc en catimini, un petit peu, Canon sort un boîtier hybride sans vraiment y croire. Et du coup, ils y émettent une nouvelle monture, la monture RF. Donc tu me dis que la monture RF est morte, et nous, on est des champions, on teste une monture RF. Ouais. Canon EF. C'est mort. Vive le roi. Canon RF. Alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, les objectifs RF, ils coûtent super cher. Et du coup, nous, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ça vaut pas le coup d'acheter des montures EF et de les adapter avec la bague officielle de Canon, et voir ce que ça donne sur le terrain, un EF sur un hybride. Et donc nous, on l'a monté sur ton Canon R3 avec la bague officielle Canon. Ouais, on a pris la bague contrôle premium. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, l'optique, elle est en occasion actuellement à 3 000 €, alors qu'un 400mm RF 2.8 est à peu près dans les 13 000 €. Ouais. Du coup, ce qu'on se dit, c'est que peut-être que l'utilisateur moyen, l'amateur averti qui a envie de faire de l'animalier, est-ce qu'il n'a pas quelque chose à y trouver, à prendre un optique un petit peu moins cher? Ouais, c'est-à-dire que tu peux en acheter 4 pour le même prix. C'est quoi. Ça. L'autre intérêt qu'on va avoir sur ce 400 DO, c'est... DO, pourquoi du coup d'ailleurs? Ils sont meilleurs que les autres. Okay. Pour diffractive optique. Il y a quand même une petite différence entre le 400 en monture RF qui ouvre lui à 2.8 avec celui qu'on a testé qui ouvre lui qu'à F4. Oui, après il y a d'autres différences qui vont être au niveau du piqué, parce qu'un optique RF est vraiment fait pour la monture RF, et donc on aura un piqué plus poussé, puisqu'il y a eu quand même énormément d'évolution, puisque l'objectif qu'on a testé nous, il a été lancé en décembre 2001, donc il y a plus de 20 ans d'évolution entre les deux. En termes de piqué, en termes de capteurs, derrière les capteurs ont récupéré plus de détails, donc il faut des objectifs plus évolué. Maintenant, ça c'est pour le professionnel qui veut avoir vraiment une image excellente. La question qui se pose, c'est encore une fois, est-ce que tout le monde a besoin d'avoir un optique à 13 000 €, et est-ce que ce 400 suffit pas pour le commun des mortels? Il y a une autre grosse différence quand même entre ce Canon 400 et celui de la version RF, c'est le poids, qui fait quand même 1 kg de moins, 2 kg contre 3 pour la version RF. C'est une optique qui est vraiment assez petite pour un 400 mm. C'est rendu possible par la manière dont sont conçues les lentilles. C'est des lentilles diffractives. Donc celle-ci, elle fait 2,1 kg. C'est une belle bête déjà. Mais par rapport à un 400 mm classique, c'est vraiment une toute petite optique. Et une finition qui a l'air vraiment top.
Ouais, c'est un objectif qui est vraiment pas mal en termes de construction. Enfin, après, c'est toujours pareil, c'est un objectif de la gamme Pro de Canon. Alors, c'est pas exactement un L, puisqu'il a pas le liseré rouge sur l'objectif. Il est vert. Il est vert, parce que tous les objectifs diffractive optique avaient le liseré vert. Mais c'est un objectif qui est construit comme un objectif pro, tropicalisation, la matière est vraiment agréable, les bacs sont bien, sont plutôt smooth, donc vraiment il est hyper agréable à utiliser. Donc il est plus léger, compact. Malgré tout, c'est un beau bébé avec une belle lentille frontale. Ouais, la lentille frontale, alors je sais plus combien elle fait, elle doit faire 94 mm ou un truc comme ça, c'est énorme. Du coup, vu la taille de la lentille frontale, en fait, qui fait à peu près cette taille-là. Un beau bazooka. Le porte-filtre, il va se trouver juste derrière en fait l'objectif. Donc ici, on va mettre des filtres de 52 mm. Et à part ce porte-filtre, qu'est-ce qu'on retrouve un petit peu sur le fût? On va retrouver, comme souvent sur les objectifs un peu lourds, une bague avec le support trépied pour éviter de faire porter le poids en fait de l'objectif sur la monture. Du coup, au-dessus du support de l'objectif, on va trouver le commutateur, le bouton qui permet de sélectionner la plage de mise au point. Donc soit l'entièreté de la plage à partir de 3,50 m, soit à partir de 8 m quand on a des sujets qui sont un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre, Adrien? Du grand classique sur un téléobjectif, hein, il y a un commutateur de choix de mode de mise au point entre autofocus manuel, tout ce qui concerne la stabilisation et donc les modes de stabilisation de l'objectif, ouais. Parce qu'il est stabilisé. Bah, on va retrouver sur l'objectif une plaque qui porte le nom de l'objectif avec toutes ses spécificités. Bon, ça fait un peu kitsch. C'est le gadget. Mais... Voilà, c'est ça. Mais quand tu achètes un optique, à l'époque il était vendu, je crois, 6 500 €, quand tu achètes à 6 500, tu es content d'avoir ta belle petite plaque commémorative de ton objectif. Puisque tu parlais du stabilisateur, à noter que sur ce stabilisateur, enfin, le stabilisateur il couvre 2 stops, ce qui est aujourd'hui quand même assez peu par rapport à des objectifs qui sont capables d'aller à 4-5 stops parfois. Mais c'est pas un objectif qu'on prend beaucoup à main levée, on va surtout l'utiliser avec un monopode ou avec un trépied. Ce sera peut-être tout ce qu'on n'a pas fait du coup. Voilà, exactement. Nous on a vraiment testé le stabilisateur. Sur la mise au point, on a également la reprise au point qui est possible, c'est-à-dire que on peut à tout moment reprendre la main sur l'autofocus et aller ajuster manuellement la mise au point. Quand l'autofocus de temps en temps rame, il est possible donc du coup de rattraper le point via la bague manuelle. Ça c'est plutôt un avantage, parce que ça arrive que le contraste soit pas assez élevé et que du coup le sujet soit pas bien trouvé par le boîtier. Ouais, c'est vrai que nous, en plus, on l'a testé quand même avec un appareil photo qui est fait pour l'animalier, là, le Canon R3. Qui est fait pour l'animalier, enfin c'est pas que pour l'animalier, c'est un boîtier qui est quand même très très évolué en termes d'autofocus, donc on n'a pas eu vraiment de soucis avec l'autofocus du R3, mais par exemple on l'a testé sur le match de hand avec le 1DX qui est un peu plus vieux, et là c'est vrai qu'il fallait de temps en temps rattraper le point parce que n'y a pas toutes les nouvelles technologies autofocus qui sont arrivées avec les boîtiers hybrides. Et en termes de mise au point, c'est assez rapide, c'est fluide. Ouais, c'était un objectif quand même qui, à dire qu'on était avec un R3 hein, derrière, c'est un objectif qui quand même fait la mise au point très rapidement, avec un bruit assez réduit pour ce type d'objectif. Même si c'est pas trop gênant parce qu'on va pas faire de la vidéo avec ça, hein, ça va être assez rare. Mais c'est pas un objectif qui est très très bruyant. Il est efficace, donc globalement la mise au point elle était rarement prise à défaut avec un R3. J'imagine qu'avec un R7 ce sera pareil, donc faut pas hésiter, je pense. Donc là on a fait le tour des qualités physiques de cet objectif. Si on parle un petit peu des qualités optiques de celui-ci, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'en termes de netteté, on est un peu en retrait par rapport à des objectifs qui se font actuellement, qui sont vraiment conçus pour aller avec des capteurs actuels, donc des capteurs qui sont mieux définis, avec plus de précision, et du coup des objectifs qui sont aussi beaucoup plus précis et beaucoup plus nets. Là on parle d'un objectif comme on disait tout à l'heure, hein, qui est sorti en 2001, ouais, donc forcément les capteurs n'étaient pas les mêmes à l'époque et on avait moins besoin de précision. Maintenant, en vrai, on chipote parce que même s'il est en retrait, ça reste quand même un objectif qui est assez piqué.
finalement, pour le commun des mortels, c'est largement suffisant pour faire de la photo à animalière, par exemple. On va avoir un petit retrait peut-être sur les angles, la pleine ouverture. Ouais, il y a un tout petit retrait, mais c'est hyper léger pour ce type d'objectif. C'est pas très grave parce qu'on va pas chercher à mettre le sujet dans un coin. C'est souvent assez, enfin, et c'est pas très visible en fait. Il faut vraiment zoomer à 200% pour se rendre compte que le détail est pas là ou que ça y a un tout petit peu de vignettage. Après, de toute façon, c'est pas un objectif qui est fait pour du paysage, donc c'est pas gênant en soi que les bords soient un petit peu en retrait. Si on va faire de la photo animalière, comme tu disais, on va essayer de centrer le sujet ou de le mettre sur les tiers, donc ça sera pas gênant. Ouais. Il y aura un beau bokeh en plus, peut-être qu'on peut en parler. Oui, bah oui. Alors le bokeh, il était pas super réputé à l'époque où l'objectif est sorti. Il y avait beaucoup de critiques. Honnêtement, ce qu'on disait dans la vidéo, nous on n'a pas trouvé que le bokeh était en retrait. C'est pas le plus beau des bokeh qui puisse exister. C'est pas un beau bokeh. Ouais, moi j'ai trouvé pas trop mal hein, quand même sur les photos de hand. On va en mettre quelques-unes en exemple. Hein. Les gradins là, je trouvais qu'il y avait quelque chose de sympa. Bah, l'arrière est flou, mais il est pas super. Enfin, c'est pas doux en fait comme flou. C'est un flou assez granuleux. Ouais, assez granuleux, assez. Enfin, ça paraît assez artificiel en fait comme bokeh. Du coup, toi, t'en as pensé quoi au final, Adrien? Tu le prends? Tu l'achètes? Non, peut-être pas. Alors, moi, j'ai pas beaucoup joué avec. J'ai un petit peu vu le résultat. Je trouve que 400, c'est peut-être un peu. Enfin, 400 fixe, c'est un peu compliqué comme focale. C'est pour du sportif, en tout cas, ce que nous on a testé du hand. C'était clairement trop. Ouais. Pour de l'animalier, par contre, c'est bien. Surtout qu'on peut le coupler avec un doubleur Canon. Ouais. Donc là, ça devient un 800. x2. Un 800 F8, par contre. Mais pour de l'animalier, je pense que ça passe encore. Voilà, c'est peut-être moi juste le fait que ce soit fixe qui me gêne un petit peu. Non, moi, ça me gêne pas trop que ce soit fixe parce que j'ai beaucoup appris à travailler en focale fixe à la base, que je commence les zooms depuis pas très longtemps. Du coup, c'est pas vraiment cette partie-là qui va me gêner. Je trouve que c'est une super optique qui était vraiment agréable à utiliser. Il y a rien à dire sur ce côté-là. Si on veut faire de l'animalier et qu'on veut débuter avec un bon objectif à pas trop cher et pas trop encombrant, il y aura pas mieux en fait sur le marché. Alors peut-être s'il y a la version 2 qui est sortie un peu après, qui doit être plus ou moins dans les mêmes tarifs et qui pour le coup sera un peu meilleur sur notamment la stabilisation ou sur l'autofocus. Mais moi j'en aurais pas l'utilité, voilà pourquoi ça m'intéresse pas, parce que typiquement je suis incapable de faire de la photo animalière pour le moment. Il faut être patient et je suis pas du tout patient. Ce qui va changer par rapport à une optique jusqu'à 200 mm, c'est que jusqu'à 200 mm, quand on met l'objectif à l'œil, on sait à peu près où on va se trouver dans l'espace. Quand on n'a pas l'habitude, et nous on n'avait vraiment pas l'habitude, quand on met l'œil dans le viseur, on est un peu perdu dans l'espace. Il faut un petit peu de temps pour retrouver le sujet qu'on a vu. Là, par exemple, je vois qu'il y a des oiseaux là-bas. Si je veux les pointer directement, là, je les ai seulement maintenant, en fait. Du coup, je perds beaucoup de temps à retrouver mon sujet. Et puis, pour de la photo de rue, c'était quand même un peu compliqué. Hein. Il y en a qui ont essayé. Hein. Mais du coup, c'est pas une optique qui m'intéresse dans l'absolu, puisque j'en ai pas l'utilité, quoi. Mais ça reste une belle optique. Voilà. Vraiment pour quelqu'un qui veut débuter sur de la photo animalière sans mettre trop un gros tarif et en ayant quand même une qualité optique optimum, je pense que le 400 mm c'est une super optique, et celui-ci en particulier parce qu'il est léger et pas trop encombrant. Après, même on a dit hein, sur du sportif, ça peut être utile. Alors sur du hand, les terrains sont un peu petits, mais avec un 400 tu voyais très bien la cage adverse par contre opposé du terrain. Exactement. On remercie Caméra Nantes de nous avoir prêté cet objectif et on espère pouvoir en tester plein d'autres avec eux dans de prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci les photographes. Faut qu'on en parle de ça. Dites-nous si vous validez en commentaire justement. Et puis pensez à liker, vous abonner et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. A bientôt. Salut. Salut. Vas-y, y'a un héron là. Yeah.